Hello les amis, voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Requiem, ou A Plague Tale Requiem. Donc, que dire de plus, on continue de cette histoire, les amis. Du coup, on s'en fout s'il pleut. Un orage de chaleur, sûrement. Vous voyez cette lumière ? C'est le phare du... Un orage de chaleur. Le bateau de Sophia est là-bas. Ok, t'inquiète, frère. Reste là. Qui êtes-vous ? J'en sais qui je suis. On va se battre, Andouille. Ah oui, dans ta face. Et alors, je peux m'occuper de lui. Tu n'as qu'à me le dire. Comment... Ah, ok, on peut l'utiliser maintenant. Ça, c'est bien. Donc, maintenant, alors. Maintenez LB. Viser un ennemi. Ok. On va voir ça tout de suite. Bam, dans ta face. Ça, c'est bon, ça, qu'on a Arnaud avec nous, les amis. C'est un molosse. Il n'y a personne qui peut nous résister, les amis. Vas-y, Arnaud. À l'attaque, bordel de neige. Explose tout ce qui a explosé. Allez combattre. Ouais. Ya, 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 ma meuf la plus bonne à ma table. Ya, ya. Allez, nous, on se charge. Et lui, il se bat contre les Shkafatzbal de première génération, les amis. Bon. Est-ce que lui, je vais quand même le tuer moi, peut-être. On sait jamais. Merde. Je ratage. Vas-y, vas-y. Oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de drap. Par ici. Les laissez pas s'échapper. T'inquiète. C'est moi qui va pas te laisser t'échapper, Andouille. Merde, il y en a un autre. Lui, je vais péter moi. Merde, je lance sur Arnaud. Bon, ça y est, je peux ou pas? Arnaud, tu te mets toujours devant. Bon, ça va. Le mec, il se charge de tout. Nous, on n'a plus rien à faire, les amis. On se cache et on fait plus rien. On regarde le jeu se faire tout seul. On fait qu'avancer, nous, maintenant. Bon, maintenant, je pense pas que ça va durer tout le temps, mais... Ça va nous faire plaisir d'avoir un molosse comme ça à nos côtés, les amis. Je peux en tuer un ou deux, moi aussi, Arnaud, si tu veux bien. Car sinon, je vais m'endormir ici. Vas-y, monte. J'ai pas besoin d'aide, Andouille. Arnaud, charge-toi de lui. Non, ceux-là sans casque, en fait, je peux les tuer moi, donc il n'y a pas de problème. L'autre, il est sans casque aussi. Est-ce que je peux le tuer d'ici, non? Merde, il y a des rats. J'avais pas capté. Bon, je pense que je peux passer parce que de toute manière, ils sont occupés à dévorer ce corps inhumanisé. Lui, je peux le tuer tout seul? Bah oui. Merde. Y'a qui, là? Prépare-toi, Arnaud. On sait jamais. Arnaud, vas-y. Shkafatz-le. Ya, ya. T'inquiète. C'est plus lui que toi, en tout cas. Ouais. Il y a qui est coup de bouclier en pleine face. Il y a quoi ici dedans? Il y a que des Shkafatzbal. Bon, ici... Il n'y a rien, enfin il y a, mais bon, je pense que c'est pas grand chose. Je veux dire, du sens que ça ne sert pas grand chose d'aller là. Ici, est-ce qu'il y a des trucs à faire? C'est qui? Merde! Non! Combattre! Vas-y, Arnaud! Explose-lui la façade! Est-ce que je peux le tuer? On dirait truc. Merde. Non. Merde. Je pense que je vais crever. Il vient m'aider. Je suis déjà à moitié mort, moi. Bon, Arnaud. Ça fut un plaisir, mais je me casse. Non, je rigole. Non, c'est bon. Je suis mort. Comme par hasard. Dans ce jeu, un épisode sans mort, c'est pas un épisode.
On s'en fout, on y va. De toute façon, il n'y a rien à faire ici. Je devais prendre l'autre côté. Vraiment faux, moi on me casse moi. Cours Forest, cours. Bon là, il n'y a rien. C'est seulement pour passer dans la caverne et sortir de l'autre côté, mais bon. Là j'ai envie de terminer vite fait cette mission, du coup on va aller par là-bas, on va tuer ces deux casse-balles ici. Dans leurs pieds depuis des années. Bien sûr. Hein? C'est pour ça que ça s'appelle épine en douille. Ce bruit. Des intrus tu crois? Je m'en occupe. Bien joué, maintenant vas-y Arnaud. Il est tout à toi. Arnaud s'il te plaît. C'est toi le molosse de l'armée, je ne sais pas où. Garno, ça va? Désolé, t'avais aucune chance. Oh purée, comme il a sauté, il a explosé, il y avait quoi, des bombes? Ouh, tous les rats. Comment on va faire ici? Bon, on va tirer le bateau. Là. Tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. On passe par là-bas. Voilà. Vas-y Arnaud. J'ai la meuf la plus bonne à ma table, ya ya. Bah tout ce qu'il y a. Merde, je les avais pas vus moi. Arnaud, je t'aide moi. Tais-toi, andouille. Arnaud, vas-y, combat-le. Prends-le en charge. Ouais, andouille. Lui me donne rien. Purée, j'ai utilisé toutes mes flèches, pourquoi? Pour sauver Arnaud, espèce d'andouille que je suis. Bon, les archers pourraient quand même donner des flèches comme maintenant. Ah ben voilà, ça c'est la sortie de la caverne de l'autre côté, mais bon, je vais pas y aller parce que voilà, je suis déjà ici. De toute façon, à part prendre des ressources, il n'y a pas grand chose à faire dans les lieux là. Allez, on se casse. Pire que la Guyane ici. On avance plutôt bien. Eh ouais. Comment va ta pire que de la Guyane. Pire que l'anguille. Oh, pitié. Fais-toi un sourire. Hein. Oui. Amicia, purée, toujours sérieuse. Y'a quoi ici? C'est la caverne en fait, là aussi? On va aller voir ce qui se passe ici, les amis. De toute façon, on a une torche. Et personne peut nous exploser la façade. Oh! Des hiéroglyphes, les amis. Regardez. C'est quoi? Oh, c'est vieux. Très vieux. Tu m'étonnes. C'est un dessin. Non, des traces de mains. Les premiers gens qui ont vécu ici... Même avant les Romains. Ouais. C'était les Homo sapiens et piens, c'est tout. Juste une minute. Oh, c'est beau. Oui, ça me donne envie de pleurer. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Un beau souvenir à garder. Tu viens? Pourquoi il a envie de pleurer? C'est l'émotion, il est émotionné, il est mouchetouflé. Nouveau souvenir, les premiers hommes. Il est tout ému, les amis. Bon, on va poser la torche, on se barrage de cette grotte qui n'a plus été conquérie depuis des siècles et des siècles.
C'est bien qu'ils ont mis des petits secrets comme ça pour dire d'ajouter quelque chose en plus. J'espère que ça va se calmer avant qu'on arrive au bateau. J'espère aussi. Ouais, aussi. Regarde-moi ça, quel bordel qu'il y a ici encore. Mais tais-toi. Vous inquiétez pas, vous allez tous vous faire manger par les ratages. Raskai. Il est mort. Vas-y, va le chercher, Andouille. Ils sont fous vraiment. Ils sont battage les balages. Je fais quoi? Je reste là ou j'avance? Qu'est-ce que vous en dites, les amis? De toute façon, je pense pas qu'on va me voir. On va avancer. T'inquiète, je veux pas t'avoir parce que j'ai pas envie de t'avoir. Y'a quoi ici? Une belle petite maison. Je pense qu'on va venir habiter ici, les amis. C'est vrai. Voilà. T'es chiant, hein, bordel. Pourquoi t'es aussi méchant, des fois? Enfin, il est pas méchant, mais bon. Il l'a été. Il a failli tuer Amicia, il voulait tuer Arnaud. Il voulait tuer Hugo, Béatrice et Lucas. Voilà. Donc, il est un peu chiant. Mais bon, maintenant, je pense qu'il est en train de se racheter. Et je pense pas qu'il fait semblant, parce qu'il tue quand même ses hommes, hein, de base. Donc, je pense qu'il est vraiment en version rébellion. Ah bon? Je ne savais pas, Andouille. C'est moi qui l'ai explosé. Allez, toi aussi, tu vas le rejoindre. Il a puré comme elle a fait la pierre. J'tiens. Tu veux la lumière? Attends, tu vas voir. Tu vas l'avoir tout direct. Tu vas l'avoir bientôt, la lumière. Je ne sais pas si c'est celle des enfers. Ou d'autre part, du paradis, mais... Pourquoi il est allongé? Il dort sous la pluie, tranquille. Oh, c'est quoi cette voix? Ok, maintenant qu'on a l'arbalète et tous les amis, plus personne ne peut nous résister. Je m'appelle Daryl. Je viens du monde de The Walking Dead. Bon. Que vais-je faire ici? Ah merde, ok. Il y a plein de rats ici. C'est pour ça que... on voyait rien. Parce qu'il tombait en bas. Donc toi, tu peux pas tomber en haut. Du coup, il tombait. Mais je ne savais pas qu'il y avait des ratages. Vas-y, normalement, je peux pas le prendre. Tant pis. Alors. Donne-moi. Donne-moi tout ce qu'il y a à donner. J'ai besoin de ressources humaines et inhumaines. Bon, il y a un soldat qui est là-bas. Je ne sais pas s'il va venir me casser les balles. Mais tais-toi. C'est toi qui vas être croqué, Andouille. Ouais. Bon. Un truc de fou, quoi. Arnaud, va le tuer. Non, mais il peut pas, lui. C'est un bestion quand même. Hein. Et si je le fais descendre? Il y a des rats ici. Des intrus, là. Merde. Il m'a vu, t'ai-je. Il m'a vu. Arnaud, tue-le. Arnaud, je te dis. Arnaud. Le mec, il va se préparer et tout. Désolé. T'avais aucune chance. Je suis désolé. Mais tais-toi. Non! Merde! Arnaud, attaque! Arnaud, attaque, je te dis! Voilà, bien joué!
Et pas moi, il m'a donné un coup d'épée, bordel. Arnaud, attaque. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est qui a lancé le... C'est moi qui ai lancé une flèche, j'ai pas capté. Bizarre. Enfin, le plus important, c'est que... Ça s'est bien passé. Est-ce que je peux marcher au bord de l'eau? Bon, tant pis. Pas me prendre la tête. Je suis déjà arrivé où je devais arriver. Arnaud, va te coucher. Je veux dire, va chercher. Ça a l'air sûr. J'espère. Ça ira. On va pas rester ici. Ouais, ça c'est encore le coup d'épée d'Arnaud, ça. Amicia, on peut aller le voir en attendant Sophia. Je sais pas, Hugo. Je vais l'accompagner. Repose-toi. Tout ira bien. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Envoie les rats sur lui, s'il t'embête. Oui. Bien sûr. Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin. Bon, ben ok, ça va, on va aller voir. On va laisser aller voir. Et nous, on va rester là, comme des morpions, fatigués de morpionner tout ce qui bouge. Qui est-ce? Hein, Sophia? Qu'est-ce qu'il y a? Merde. Non, non. Bourdin, un coup de TE, vas-y. Un coup de couteau, je sais pas quoi. Y, oui. Paf. Tout perforé ici, voilà. Voilà. Il est parti voir ailleurs si j'y suis. Tout va bien? Bien sûr. Non. Comment non? On se connaît à peine. Et j'ai déjà une dette envers toi. Bah, ça va. Hein. Tu ne me dois rien du tout. Je ne cherche rien du tout. Ça fait partie du code. Bien alors, soyons amis, si ça peut aider. Bien sûr. On peut essayer. Mais tu finiras par vouloir me tuer, toi aussi. Moi, je pense plutôt contraire. Allez, on peut se barrer, les amis. Maintenant, on est avec Sophia. Alors. Bah, je pense que de toute façon, il va pas avoir de combat. Ah, un établi. Attends. On se met au travail. Alors, je peux faire quelque chose ici? Non, je peux rien faire, bordel. On va aller voir si s'il y a quelque chose à faire là-bas. Voilà la rascasse, c'est ça? La seule et l'unique. Voilà la rascaille, les amis. Mais non. Oui, Hugo, je suis là. C'est incroyable. Il est où? Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre dans la cabine, tu es trempé. Oui, à la cabine. Alors, il y a le petit est toujours emballé. Avec Amicia pendant que je vérifie la route vers la Kuna. Ouais, t'inquiète, on va lever l'ancre de oui. Chez ta soeur. Il y a même pas, t'as même pas commencé. C'est bloqué. Merde, elle est bloquée. Je crois qu'ils ont bloqué l'ancre. Oh, les sapettes. Allez sur le ponton avec la manivelle. Ça contrôle la chaîne. Merde, je dois casser la... merde, il y a des rats. Comment vais-je faire? Je vais lancer quelque chose pour que... Il s'échappe, allez, un petit pot. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Sophia n'a pas l'air de t'apprécier beaucoup. Qu'est-ce que je fous? Merde. Elle m'en doit une de toute façon. Non. Pour ne pas l'avoir tué. Ah, purée, j'ai le truc, ça va, ok. Ça, c'est bon. Wow, tout juste. Ça va, c'était un petit bug, les amis. Ça fait plaisir, on est arrivé. Je pense que je devais faire ça avant. De là-bas, j'aurais pu le faire. Parce que je viens de voir un poisson et un... On s'en fout. Et c'est qui va lever l'ancre? Il y a un contrepoids avec un verrou. Je pense que je peux le briser. Comment ça? Arnaud, à toi. Je m'en occupe. Ouais. T'inquiète. On y est presque.
Oui. Mon frère verra bientôt la Kuna. J'espère. La Kuna. Casse-moi ça. Oui. Ouais, je vais casser tout ce qui a se casser. Même toi, je vais te casser. Merci. Maintenant, on va faire ça. Hugo est mort. Quoi ? Son sang est empoisonné. C'est je peux pas y aller comme ça. Alors, il faut tout faire pour l'emmener là-bas. On y va. Ouais. Alors, on fait tomber le poisson. Je bam. Normalement, tout le monde qui se barre par là, et nous, on peut se barrer par l'autre côté. Allez, vas-y, on y va. Tranquille et détendu. Encore dehors, il est. Quoi ? Oui. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Retourne dans la cabine. Oui, capitaine. Il y a capitaine, ça y est. Bon, ça y est. Voilà. Quoi ? Bien sûr. L'ancre est levée. Bien, maintenant hissez la grand voile. Sur le pont supérieur. À vos ordres, capitaine. À vos ordres, capitaine. Allons là-haut. On touche au but. Et allez à bas bord. D'accord. Il est où le truc ? De l'autre côté. À ton signal. T'inquiète, mon ami. On va tout signaler ici. Oui, on a réussi. On va quitter cet endroit. Allez, on se barre. Dépêche-toi. Pas que ça à faire. La voile ne se lève pas de mon côté. Merde, il y a un truc qui coince. Merde, ces salopards ont noué ma voile. Alors détachons-la. On n'a pas le temps de monter là-haut. Je peux essayer de la couper. Qu'est-ce oui, que je fais va sur viens, le ponton tribord. Prépare-toi. T'auras un meilleur angle sur la Kuna. Fais pas tout dans la voile surtout. Ok, t'inquiète, je vais aller par là. Je vais faire tomber le. J'ai cassé ce qui a cassé. En plus, j'avais omis de prendre les objets ici. Ok, maintenant. Comme ça, j'ai tout à 10. Il est où le truc maintenant ? T'inquiète ! Je vais pas abîmer ton bateau ! Ok, comme ça, il va prendre feu le bateau. Voilà. Vas-y. Bam! Dépêchons-nous! Oh, c'est pas vrai! Il se barre sans moi! Oui, t'inquiète, j'arrive! Quoi? Guess avant, on vient de partir! Attends, hein! Mais ouais! On est parti, les amis! Enfin! Pour des nouvelles aventures! Dans un monde! Plein de rats et plein d'Hugo qui nous attendent. Hein? Il y a la musique, elle s'emballe, hein, les amis. Je te tiens. On se casse! Ouais! On est des pirates, bordel de neige-être! Alors, on a fini le chapitre 7. Bordel, quand tu rentres dans la puce. Bon, il va se passer quoi maintenant ? Bon, je suppose qu'on doit aller parler à Hugo. Hugo ! La mer est tellement calme. Une mer de promesses. Profites-en. On est au chapitre 8. Hé, hey, Moussaillon. Encore à ton poste ? Ouais. Quelque chose à signaler ? M'en fous. Une île, peut-être ? Ta sœur. Hey, c'est si beau ! Les couleurs changent tout le temps. Et j'ai vu des gros poissons. Peut-être même un dauphin. Fantastique. Oh. C'est la norme des choses dans la mer, mes amis. C'est quoi, ce truc ? Je ne pas que ta vieille sœur reste avec toi. T'es pas si vieille. Bon. Et dis-moi... Comment Sophia fait pour savoir comment aller à la Kuna ? Avec des instruments, probablement. Il y en a bien sûrement sûr. On peut lui demander ? Oui ! Allez, on va aller le demander. Mais avant tout,
On va parler à Arnaud d'Aigle. Explorer le bateau avec Hugo. Ok, t'inquiète. Bonjour. Il est beau ton bouclier. Il fait son travail. Il m'a sauvé plus d'une fois. Tu m'étonnes. J'aime bien l'oiseau dessus. C'est un griffon. Moitié lion, moitié aigle. Donc tu as moitié raison. C'était mes moitié raison. Le courage et la ruse. Ouais. On s'en fout. C'est aussi un bon blason. Force, stabilité, sagesse. Ouais, c'est tout à fait nous. Allez, viens. Et scaphatage de balle aussi. Il est drôle. On dirait un ours. Il en a l'odeur aussi. Salut. Hey, les enfants terribles. Ça veut dire qu'il pue, les amis. De quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Sophie Marceau, là, qu'est-ce qu'elle veut? Je crois que quelqu'un a une question. Comment tu connais le chemin vers la Kuna? La mer est tellement grande. C'est simple, les sirènes. Elles connaissent toutes les... Comment ça, les sirènes? Mais il manque plus que les sirènes dans le jeu, les amis. Elles sont timides, mis en place. C'est pour ça que j'ai aussi des instruments et des cartes. C'est assez technique, mais je suis plutôt maline, alors... Oh, oui. Si tu le dis. Les sirènes, c'est un meilleur moyen. Ça te dérange si on jette un œil à tes instruments, Sophia? Non, mais les cassez pas, ou je vous jette. T'inquiète. Même les deux yeux, on va jeter. Je suis sérieuse. Ok, rigole pas, Andouille. Et il rigole pour tout, lui. Qui va se calmer, elle, quand même. Elle va me jeter par tribord, ça va? Je rigole pas. Rar. Ça sent... Hey, regarde ça. C'est quoi, ça? C'est un diamant? Qu'est-ce que j'en sais? C'est un bout de verre. C'est bon, précieux. N'y touchons pas. Vaut mieux. La mer Méditerranée. C'est joli. Et utile. Tu vois, Sophia l'utilise pour trouver la bonne île. Elle est où? Elle est où, mon île? Elle est où? On serait pas ici sans Joseph. Il serait content de savoir que tu l'as. Oui. J'essaierai de m'en montrer digne. Ça, c'est sûr. On verra, les amis. Ce que nous prospecte cette continue d'aventure. On descend. Allons dans la cale. Ouh, tout le trésor, ouais. Les amis. C'est vraiment à elle, tout ça? Sans doute, oui. Bah, trésor. C'est pas grand-chose. C'est quoi, ça? Regarde, une boussole. Je peux la tenir? Oui, mais fais attention. Elle est lourde. Ne l'achète pas, hein. Cette aiguille indique toujours le nord. Le elle nord. Bouge, bouge. Dans ce cas, arrête de bouger. Voilà. L'île est au sud. C'est ça? C'est justement par là qu'on va. Je peux la garder pour jouer? Oui, mais ne la casse pas. Pour jouer. Hein. Sauf si tu veux. Tu vas jouer comment avec ça? Du coup, alors, il reste quoi? Parler aux autres encore. Allez, on vient de parler à tout le monde. Enfin, en même temps, on est que deux. Enfin, ils sont que deux. À l'avance. Montre-moi. Voilà. Alors, il a survécu aux flammes. Oui, il en faudra plus que ça. Il a survécu à l'Espagne, la Bourgogne, même la Guyenne. Mais de justesse cette fois. C'est là qu'il s'est cassé? Oui. La seule fois où il n'a pas su protéger. Toi? Non. Quelqu'un qui portait le même blason que moi. Oh. Je vois. Ok. C'est un souvenir encore douloureux. Certains souvenirs ne se laissent jamais oublier, petite. Je comprends ce que tu veux dire. Et continue ouais. À veiller sur ton frère. C'est ça qui te sauvera. C'est déjà le cas. Hé, hey, vous deux! La voile touche à bâbord. J'ai besoin d'aide. Va tirer sur la T'inquiète. Corde de l'autre côté. Je vais donner du mou sur la mienne. Oui, compris. Ça va, allez, on y va. Faut qu'on tourne. Non, c'est de l'autre côté. Ce que je fais. Je m'en charge. Alors. Vas-y, laisse-moi. Ça y est, on devient des pirates maintenant, les amis. Comme je disais dans l'épisode dans les deux épisodes précédents, si on reste à la mer comme ça, ben les rats, ils peuvent pas venir jusque-là. Donc, on sauve tout le monde et on reste en vie, nous aussi. Ce serait simple. Ben, le petit, il faudrait qu'il vive toute sa vie sur le bateau, quoi. Mais bon, à ce temps-là, les pirates, ils faisaient ça, hein. Mais bon. Quoi? Cela doit être exaltant de piloter un navire. Ça me fait oublier tous mes problèmes. Vas-y, essaie. Oh, Allez, tu risques pas de nous faire couler. Hmm.
Quelle sensation de tenir la barre, hein, messieurs. Tu aimes. T'as envie de devenir pirate maintenant. Alors, c'est incroyable. Tu ressens la mer, la liberté. Ouais. Merci de nous aider. Remercie Arnaud. C'est pas dans mes habitudes. Oh. C'est un enfoiré, je sais. Il est comme ça parce qu'il en a bavé. J'en doute pas. N'excuse rien, mais... Quoi ? Minga, laisse-moi tranquille, la purée. Merci. Amicia, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Il veut quoi encore ? Là-bas. Quoi ? Je vois quelque chose. Ouh. Ah ! Oh purée, c'est l'île, les amis. Les gens, on arrive, on va tout faire exploser, les amis. On arrive, vous inquiétez pas. C'est Lacuna. On va tout faire exploser, le village, les montagnes et Lacuna entière. Oui, t'inquiète. Merci. Ça va pas durer longtemps. J'en suis sûr. Quoi qu'il y ait là-bas, on le trouvera ensemble. Comme de vrais explorateurs. Oui. Ben, je pense que je vais trouver quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. C'est pas très grave si je meurs. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le magistère Vaudin, il a dit que j'allais mourir. Seigneur, non, Hugo, je suis désolée. Ça n'arrivera pas. Sois pas triste. Je suis content d'être ici. Je m'amuse sur ce bateau et... J'aime bien Sophia. Et Arnaud, même si toi tu l'aimes pas. Pardon. Je voulais juste vous dire qu'on n'allait pas tarder à accoster. J'aurais besoin d'aide. Alors, venez me voir quand vous pourrez. Oui, bien sûr. Je suis contente d'être là avec toi. Alors, après cette petite cinématique et moment bouleversant, un enfant qui dit qu'il a envie de mourir pour laisser tranquille tout le monde, bon, c'est un peu chaud quand même. On va tout faire pour qu'il reste en vie. Bon, ça y est. Vas-y. Tais-toi, espèce de cocombre là, comme ils appellent. Cocombre, pourquoi je dis cocombre ? C'est le moment tragique, ça, les amis. Qu'on va toucher terre. Dès qu'Hugo met le pied à terre, fini. C'est la fin. Allez, tout le monde. Non, vas-y, va tout seul. Reste sur le bateau, Hugo. Moi, je reste. J'ai deux ou trois choses à faire. Mais non, laisse Hugo là et viens toi aussi. On va faire un tour avant la nuit. T'inquiète, on va aller faire un tour, on va aller voir ce qui se passe. Ici, vous êtes sur les terres du comte. Sois gentil. D'accord ? D'accord. Ça prévoit rien de bon, cette chose-là. Bienvenue à Lacuna. Voici pour toi, mon enfant. C'est un grand honneur de t'accueillir. Merci. Eh bien, nous avons un nouveau roi. Ouais. Hugo le Juste. En effet, pendant les jours ardents, tous les enfants sont rois. Exactement comme l'enfant des braises qui veille sur notre île adorée. Ta présence est une bénédiction parce que tu es notre avenir, tout comme lui. Car il nous délivrera tous de l'emprise des ténèbres. Ok. Bon séjour. Profitez bien des festivités. T'inquiète. Au revoir. Bon. Ça commence plutôt bien, non ? Je pense. Je me demande ce que l'église pense de tout ça. Mais ils ont l'air de bien s'en sortir. Bah laissez tranquille alors. Allez, venez, votre majesté. Quelle galanterie. On est dans mon rêve, Amicia. M'en fous. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'est très beau. Y a mieux.
Mais maintenant, non, il faut trouver ce qui t'a appelé sur cette île. Bienvenue. Bien sûr. Donc, les amis, je vais arrêter cet épisode ici. J'espère que vous avez aimé. Donc, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, activez la cloche pour recevoir mes dernières vidéos. Un grand merci pour avoir suivi cette vidéo, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure épique. Ciao, ciao.